Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour la voix des âmes de ce mercredi 24 mai 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé une jolie journée hier. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif, le plus fort. Est celui que je nourris le plus. Aujourd'hui, j'ai pigé guide et ton âme, elle te dit, tu es ton propre guide. En ce moment, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir de réponse. Tu peux avoir l'impression que tes outils spirituels ou que la vie ne t'apporte pas les réponses dont tu as besoin pour avancer. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des messages forts et importants pour que tu puisses te rendre compte que tu es ton propre guide. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance et surtout, prends le temps. Prends le temps de te connecter avec tes pensées et tes besoins. En ce moment, tu peux te sentir vide. Tu peux même avoir l'impression que je suis partie. Je suis toujours là. Mais tu as besoin d'espace. Tu as besoin de créer ton propre univers. Ton propre cadre de référence et de te connecter à tes propres besoins pour les mettre en avant. Tu es ton propre guide. Tu peux le répéter plusieurs fois par jour pour en faire un mantra, pour l'intégrer et pour le ressentir au plus profond de toi. Tu es ton propre guide. Tes guides, tout dépend de toi. Tu peux avoir l'impression d'être dans une situation particulière, mais notre rôle actuellement est de ne pas du tout intervenir, que ce soit sous la forme de signes ou de messages. Tu n'es pas en danger, tu ne vas pas prendre une mauvaise direction ou tu ne vas pas faire de mauvais choix. Tu sais, tu es dans une énergie de libre arbitre, très très intense. Et tout dépend de toi. En fait, tu es face à une feuille blanche et c'est toi qui décides ce que tu vas écrire. Alors le conseil que l'on te donne, c'est de te connecter à la loi d'attraction. Tu connais la loi d'attraction? Visualise ce qui est important pour toi. Agis en lien avec ces visualisations. Concentre-toi sur ce qui te fait vibrer. C'est toi le créateur. Toi et seulement toi. L'entité, je suis l'un de tes anges protecteurs. Je suis là, juste auprès de toi. Je suis là et bien présent. Mon rôle est de te guider vers ce qui est bénéfique pour toi. Alors parfois, je peux être à l'origine d'événements imprévus ou de blocages.
Ce n'est pas pour t'embêter. Ne pense pas cela. C'est pour que tu puisses te faire confiance et pour que tu puisses te rendre compte du chemin qui est le plus positif pour toi. Pour l'instant, je ne rentre pas en contact directement avec toi, car je veux que tu te connectes avec ta force intérieure et ton libre arbitre. Je manifeste ma présence par des événements extérieurs et par des synchronicités. Je manifeste ma bienveillance par des perturbations extérieures. Alors, ne soupire pas ou ne crois pas que tout est contre toi. Tu as un vrai soutien de ma part et de tous tes guides. Dans ma dernière incarnation, je pouvais refuser l'aide extérieure ou je pouvais essayer de contrôler les choses. Je n'aimais pas du tout les événements extérieurs. Et c'est assez ironique que ce soit maintenant toi qui en sois à l'origine. Mais les événements imprévus sont positifs quand on prend du recul. J'ai compris cela. Et cela permet de se connecter au champ des possibles. Très beau message, hein? Et aujourd'hui, j'ai encore pigé une carte humiliation. Quand je vis une situation désagréable avec une autre personne, je décide de prendre 3 bonnes respirations pour me centrer au lieu de l'excuser comme je le fais normalement. Ensuite, je m'intériorise pour découvrir quel est mon besoin dans cette situation et je fais ce qui est nécessaire pour y répondre. Si je m'en sens incapable, je me donne le droit d'être encore gauche par rapport à l'écoute de mes besoins. Mais je sais qu'avec de la pratique, je vais y arriver un jour. Oui, tu y arriveras un jour. Je vous souhaite une toute belle journée. Dans le rire, l'amour inconditionnel, la bienveillance, la tolérance, l'empathie, etc. Et puis on se retrouve demain, n'est-ce pas, pour un nouveau message. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.